Bonjour à tout le monde, c'est moi Maseba Yabana, Muyomba Yabatoto, Noko, les tontos des Afa. Je suis ici aujourd'hui pour vous donner des vrais, beaucoup de réalités que vous ne connaissez pas sur les problèmes de Niki Menga et Fally Ipupa. Des vrais problèmes que vous ne comprenez pas. Je vais les dire aujourd'hui dans la vidéo ici. J'ai beaucoup d'audio. Vous savez, j'avais mis seulement une seule audio. Ça fait les toits partout de l'avocat. Il y a les gens qui attendent d'autres audios. Je les ai. Mais je ne suis pas pressé puisque je ne cherche pas de vie. Je ne cherche pas de visibilité. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur le dossier ici. Pour moi, c'est le commencement des dossiers même. Il y a des gens qui croient que c'est le dossier fini, mais c'est le commencement. Le commencement. Merci à vous qui me regardez à cette heure-ci. Merci à vous qui visionnez mes vidéos, vous qui partagez, vous qui likez. Oh, vous pouvez liker la vidéo ici, en tout cas, jusqu'à ce que les clics de like là se détruisent. Cliquez ça, en tout cas. Commentaire, Nabino, ça me fait aussi du bien, ça me corrige. En tout cas, merci, merci, encore merci. Le vrai problème entre Niki Menga et Fally Ipupa, aujourd'hui, je vais vous détailler. Je peux vous dire, je peux vous donner plus de 7 éléments, mais tous ces éléments-là, je vais les mettre en un seul élément et puis je vais les détailler. Vous avez vu à un moment donné, vous devez comprendre l'intelligence d'une personne. L'intelligence d'une personne est tellement capitale dans la vie. Il y a les gens qui sont intelligents à l'école, mais dans la vie sociale, sont zéro. Il y a des gens aussi moins intelligents à l'école, mais dans la vie sociale, ce sont des personnes vraiment à respecter. Il y a beaucoup, c'est ça, une anecdote que je vais juste te donner. Nous avions beaucoup écouté le côté négatif de Niki Menga. On l'a insulté, elle est bipolaire. Dans les réseaux sociaux, il y avait la sœur de Niki Menga qui accusait, je ne sais pas la sœur de Fally ou de Niki Menga, j'ai un peu oublié, qui accusait Niki Menga à Fally pour parce qu'elle disait que Niki Menga l'a trompé, elle trichait. Vous voyez? Il y a le problème des couteaux, soit disant que Niki Menga fallait avec les couteaux de telles choses. Ce sont des choses là, vraiment, je vais vous détailler avec vraiment, avec précision. Il y a beaucoup d'éléments. Alors, je vais seulement aller avec les petits éléments là. Quand je vous parlais d'abord d'affaires de la sœur, soit la sœur de Fally, soit la sœur de Niki, que j'ai oublié un peu de confusion, qui accusait Niki Menga à Fally, soit disant que Niki Menga l'a trompé. Est-ce que vous écoutez? Cela montre automatiquement que c'est comme si Fally et Niki étaient ensemble. Si on accuse quelqu'un de tricher, c'est qu'il y a les gens qui sont. Cela veut dire que les gens vivent d'abord ensemble pour qu'il y ait une sorte de tricherie. Maintenant, vous qui dites qu'ils ne sont plus ensemble, ils se sont divorcés depuis 2004-2005, comme ça, avec les accusations des sœurs ici qui disaient que. Qui allait accuser Niki a fallu que Niki tricher. C'est quelque chose de louche. Est-ce qu'il y a des mensonges venus de ces sœurs-là? Première anecdote. Affaire de Mbeli, affaire de couteau. On a parlé de couteau, soit Niki, des fois, elle menaçait fallait avec les couteaux. Tout ça, je vais vous dire ça. Pourquoi il y a un problème de vulnérabilité? Oh, la femme, la fille, elle est vulnérable. Et là, elle est dans une position de faiblesse. Vous savez vous-même, quand quelqu'un est dans une position de faiblesse, on fait tout pour qu'elle puisse se fâcher. Et dès qu'elle se fâche, on montre les doigts. Vous voyez ce qu'on a fait. C'est le système qu'il fallait être en train d'utiliser aujourd'hui pour que Tiana ni qui mène dans la position Moko Yamabe. Ce qui est le Niki Menga, il y a Tomboka, Bakolo Baboyoki, bipolaire, à Tomboki. Ce qui est le loco, bipolaire. Ce qui est le loco, bipolaire. Ce qui est le loco, bipolaire.
position oyo batie na kati ekomi position oyo ya kopetia mutu na kati ya stress. Fali atie nikimenga na kati ya stress makasi de façon que eloko nyoso oyo nikimenga kolinga asala ekobimisa niki mabe ekobimisa niki mutu mabe. But we're going to follow the one we bozo comprendre affaire ambeli wana soy botali bien. Il fallait que nous mutu asilika mutu ko yana mbelika kapamba te il fallait que niki menga soit fâché à un moment donné et puis la colère est indiée, la colère l'a amené à toucher le couteau. Dès qu'elle a touché le couteau, qu'est-ce qu'on a dit? Elle voulait faire du mal à Fali Poupa. Pendant que c'est Fali qui a mutu a pêché dans nos candas, c'est Fali qui l'a mis en colère. Elle a pêché la position de vulnérabilité. Moi, si on a bâti la position de Mabe, et là, quand on s'est accosté là, à combiner Timoutou, moi, quand il y a mutu a créé un problème. Pendant que c'est elle qui, c'est Fali qui fait tout pour se laver, à ça qu'on salit les Sikaniki, mais on a bandengé à la menace, et on a mis en colingas à la mouka, direct au Toba, Babaraki, c'est Misapi, Bomoni, Toloba Kinin, Tobisa Kibinonin. Ce qui est le bas de Bazako, le Bazako, et Bamakambuana News, et Bandaki Wap. Est-ce que vous avez vu la télévision que vous avez vu? Vous avez vu que vous avez fait un peu de temps? Est-ce que vous avez vu les réseaux sociaux que vous avez vu? Vous avez vu que vous triché à moins qu'elle soit folle. Et ça, vous avez vu que vous avez vu que vous avez fait un peu de temps. Et puis, donc, vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez réagi, vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu. Alors, vous voyez, on est en train de citer. On est en train d'insulter Nikiminga partout. On est en train d'insulter les affaires de Fali partout près des communicateurs de Fali. Pona nini, pona kola kisaka net ke Nikiminga za mwasi mabe, za mwasi malamu te, mais Fali za kobosa na nefiske une chose ya bien oyo Nikiminga sale la ina. Eloko moko kaka boza kobosa. Na kebite ke Nikiminga zalaki mwasi ya mabe jusqu'au bout zalaki mwasi ya mabe ka non. Elle n'a jamais été la plus mauvaise. Il y a beaucoup de plus mauvaises femmes ici. Ye mutu donc mwasi oyo tellement que bosali ya mabe vous l'avez mal fait, vous l'avez mal fait injustement, vous l'avez traité d'injustice. Lelo aujourd'hui elle s'est décidée de parler de ses affaires. Elle s'est décidée de stopper l'hémorragie. Vous le pointez des doigts qu'elle est mauvaise. Mais on est dans quel monde? On est dans quel monde? Lelo, beaucoup vont te quitter, Nikiminga. Beaucoup vont te quitter. Beaucoup vont t'insulter. Mais reste ferme dans ta décision. Ozamwa na poto, oyebi ba Valérie à poto. Et là, comment on a zo kamwa? Comment expliquer que tu comme une situation à Boye? Une dame à la grandeur de Niki qui est vraiment qui a passé toute sa vie en Europe. Elle connaît le système. Elle connaît les avocats. Il y a les avocats des associations, des avocats gratuits. Si tu n'as pas l'argent, il y a des avocats qui sont là pour vous. Vous devrez défendre votre cause. Vous devez revendiquer vos droits. Chères femmes, revendiquez vos droits. Si vous ne revendiquez pas vos droits, personne ne va vous les donner. Vous devez les revendiquer. Nikiminga a passé son temps en Europe. Tu as passé toute ta vie en Europe, en France. Tu connais le système. Si on t'appelle des bipolaires, donc tu es déjà tu es malade. Si vous êtes malade, personne n'a droit à vous injurier. Si vraiment que vous êtes malade, personne n'a le droit à vous injurer, vous pouvez les porter plainte. Puisque les malades ont droit à la vie, les malades ont droit à la justice. Si on vous traite d'une malade, d'une personne malade, donc tout le monde qui t'a insulté, tout le monde qui t'a insulté, même les communicateurs de Fali Poupa, même Fali Poupa lui-même, ils doivent être portés en justice. Puisqu'ils ont insulté une personne infirme, une personne vulnérable. Bozomona, exemple makambo ebele oyo makambo ya boye bino bato boza pembeni ya Nikiminga. Soki bozi makambo penza avec sincérité, avec sérieuxité.
même makambo yo sarato loti koloba makambo za koloba ekozala na sensité et loko za ko kamusangai na yebite soki sarato la komemela biso ba vérité nini parce que yemuto mema déjà ba vérité na rina ba réseaux sociaux omema déjà nyoso na réseaux sociaux yemuto madi makambo ya zéro yemuto bani sika ko ya komema vérité nini a moins que ozala muto zala ki ko kosa liboso et puis lelo oyé na vérité soit ozala ki na ba vérité link si mikolo lingi ko kosa okome ma vérité nini saratola atayo moko yoka ko bandaki awa Angelika za mwasi mabe Angelika mutu baba nini ba utiliser Angelika ko ko nini ko yako détruire nini team niki lelo sika Angelika azobi ma mwasi mwana mwana malamu azobi ma mwana malamu yozo kende ko bima mwana mabe yozo ko trahir Cora Angelika azawa na boza ko swana me azako ko soutenir toujours niki Kofri na bino soki niki lelo a décidé ko solola na Angelika. Pourquoi o memi angone ti problème? Erba zaba azalaki ko solola na yo ezalaki nango problème ite. So lelo a solola na mutu mususu o memi angone ti ango problème pourquoi? Mutu na mutu akomi ko lukisa ba visibilité na makambo oyo. Mutu akoki ko yana n'importe quoi ezobi maneti vérité na ba réseaux sociaux. Mais mo bosa na te ke boza ko nuire. Vous nizela boza ko nuire nini? Personne ya niki menga. Azana ba défaut na ye mais o eza défaut na ye te boza ko nuire na personnalité na ye soki o moni ki okolobela ye lisusu te bendana na malembe ba ezana batu oyo ba kolobela ye ezana batu oyo ba kolobela ye batu baza ebele ba réseaux sociaux koma ya ba YouTube koma ya batu nyoso ba Facebook eza ebele pona batu nyoso muto ki kozwa na téléphone azuka ka téléphone boye e komi na ngope nini vidéo asali makambo na ye. On n'a pas besoin ya bamba bato ba koyaka ko banda ko atuka yango na za koloba botala nanu na bari na banini na ba youtubers nyoso ba ya Congo ba congolais botala ba youtubers na ba youtuber nyo We leave 7 o'clock. So we can have some to eat. What? Yeah? What to eat? Let's die up and don't eat anything. Please. Bring only milk. You're making my day. You know, some people, you know, that, I don't know, gotta stay there.